Voilà. Voilà, et donc maintenant que les indications pour trouver le dragon infernal ont été faites, on va parler maintenant de choses un peu plus sérieuses. On va parler des gambits pour le combat. Alors, comme vous pouvez le voir, moi j'ai changé un peu mon équipe. Je pars avec Fran, Bash et Pénélo. C'est un essai, on verra bien ce que ça donne, mais sur le papier ça me plaît bien. Alors, au niveau des gambits, en priorité, on va donc avoir les résurrections. On va garder le terme général. Donc, queue de phénix pour Fran et Bash, V2 pour Pénélo. Ensuite, donc j'ai pris toujours un gambit par défaut pour les herbes d'écho au cas où que le dragon inflige silence parce que je me souviens pas trop. Par contre, je suis sûr qu'il inflige lenteur, voire même stop. Stop d'ailleurs avec son attaque spéciale. Donc Fran a un gambit relativement haut placé pour enlever cette altération d'état avec les larmes de Chronos. Bash là aussi. Et pour Pénélope, je reste un peu plus dans le général. Elle sait guérison, peu importe l'altération d'état, ce sera le sort qu'elle utilise. Ensuite, toujours pour mes deux personnages au corps à corps, je me souviens aussi que le dragon utilise un souffle pétrifiant, qui inflige donc, en plus des dégâts, l'altération sclérose. De ce fait, j'ai donc bien entendu pris un gambit allié pour utiliser les épingles d'or pour enlever cette altération d'état. Bash là aussi, et au cas où d'ailleurs Bash a même un remède si des fois je suis pris un peu de court, qu'il y a une autre altération d'état imprévue qui se pointe. Lui au moins il est pris, avec Pénélo elle sera toujours prête aussi pour enlever tout ça. Ensuite on va passer aux altérations d'état un peu bénéfiques. J'ai débloqué bouclier 2 et barrière 2 avec Fran, avec Chaos, avec l'obtention de Chaos lors de la dernière vidéo. Je lui ai donc équipé, alors elle l'utilise sur elle-même, parce que je vais partir du principe qu'en fait Fran et Bash vont être plus ou moins côte à côte pour taper. Je dis bien plus ou moins parce que le dragon est un petit peu mastoc, donc il se peut qu'il soit un peu séparé, mais bon, on verra en fonction du combat. Du coup, elle pourra mettre Bash et donc elle-même sous bouclier et barrière. Si jamais on a les PV qui descendent en dessous de 50%, elle pourra utiliser soin 4 si Pénélo est pas déjà en train de soigner. Et en plus, elle lancera aussi bravoure aux alliés pour augmenter les dégâts physiques infligés. Bash, de son côté, lui, il a pas grand chose. Il a juste bravoure à lancer aussi, comme ça il se partage un peu la tâche. Cela dit, je pourrais même faire mieux parce qu'il me semble que Pénélo là aussi. Donc ce qu'on va faire en fait, on va même se simplifier les choses, on va mettre personnage. On va même fermer, voilà. Personnage bravoure, comme ça dès que l'altération d'état est finie, il se le renouvelle le même et il repart au combat. Donc Bash il a bravoure, après donc il va se contenter d'attaquer. Bon écoutez, je l'ai laissé par défaut, mais on s'en servira pas. Ennemi aérien, ça n'a rien à faire ici. Par contre, j'attire votre attention sur ce gambit. Donc ennemi ciblé par le leader, c'est par défaut on va dire. Et c'est donc la technique affaiblir, qui réduit, comme c'est noté, la force d'un ennemi. Aussi surprenant que ça puisse être, j'ai appris à mes dépens, parce que j'ai fait un essai en off, que affaiblir fonctionne sur le dragon. Alors après j'ai pas compris comment la technique fonctionne parce que je vois Fran donner des coups avec affaiblir mais elle inflige pas de dégâts, mais par contre la force de l'ennemi est bel et bien abaissée. Donc ce que je ferai c'est que je le laisse activer pour le moment pour qu'elle le fasse dès le début du combat. Une fois que je verrai que l'effet est bien appliqué, je le retire le gambit et on reprend le combat normalement. Donc ensuite elle va faire que attaquer parce qu'elle va être là que pour ça. Donc Bash c'est la même chose, il va être là que pour bourriner avec son équipement. Pénélo, quant à elle, évidemment, vu qu'elle est mage blanche, elle va être là pour s'occuper de soigner les personnages. Donc c'est pour ça que j'ai mis différents paliers de points de vie avec soin 2, soin 3 et soin 4. Ensuite, sur les alliés, elle va utiliser foi. Alors sur les alliés en soi, bon, Bash ça va pas lui servir à grand chose, mais Fran ça pourrait lui être utile parce que, comme je l'ai précisé, elle pourra éventuellement soigner. Donc le fait d'être sous foi va renforcer les soins, ça peut toujours être intéressant. Donc étant donné qu'elle a bravoure, elle va se le lancer sur elle-même aussi pour augmenter les dégâts qu'elle inflige, même si en soi ça va rester
moins que Bash par exemple. Par contre, elle, elle a vitalité. Donc vitalité qu'elle va utiliser pour doubler les HP de tout le monde. Ce qui pourrait être utile évidemment. Et à côté, donc j'ai mis bouclier 2 et barrière 2, parce qu'étant donné qu'elle est mage blanche, elle a accès à ses sorts. Cette fois-ci, j'ai ciblé Bash au cas où, justement, comme j'ai dit, que Franz soit trop loin de lui et que du coup, il ne soit pas affecté par le bouclier 2 et barrière 2 lancé par Franz. Comme ça, elle, elle pourra cibler Bash pour le faire. Alors après, vous me direz, bah, Pénélo, elle, du coup, si elle est loin des deux, bah, elle aura ni bouclier ni barrière. En soi, ça va pas être un problème parce que, avec l'essai que j'ai fait, encore une fois, ça peut peut-être changer, on sait jamais, le dragon s'est surtout acharné sur Bash et Franz. Parce qu'il prenait tellement cher qu'il s'occupait des deux qu'il avait sur la gueule directement, et du coup Pénélo la plupart du temps elle était tranquille, elle se faisait toucher que par des sorts et l'attaque spéciale. Ensuite, par contre pour Pénélo évidemment, j'ai mis ennemi ciblé par le leader purge. Parce qu'évidemment, quand on va commencer le combat, le dragon il va avoir quelques buffs sur lui, donc on va le débuffer et on va arroser. Donc là en gros voilà les gambits que je vais utiliser lors du combat. Alors peut-être que ça va changer si jamais il y a vraiment quelque chose d'autre qui arrive, mais normalement on est bon. Le seul truc que je ferais, c'est revenir dans le menu des gambits pour enlever affaiblir. Donc par contre je ne compte pas commenter le combat parce que vous allez voir que le dragon infernal a beaucoup de vie. Et je laisserai peut-être quelques indications par texte, comme j'ai fait précédemment par exemple, pour débloquer le chemin ou autre. Si jamais j'ai quelque chose de spécial à dire ou quoi que ce soit, je mettrai la petite indication texte pour parler de quelque chose, peut-être des paliers justement de PV. Parce que là ça va être compliqué de gérer le combat et de le dire en même temps. Mais au bout de certains pourcentages de vie perdue, le dragon change un peu ses patterns, il commence à utiliser des sorts, à utiliser des techniques, ce genre de choses, donc je laisserai l'indication. Voilà. Donc sur ce, je coupe le micro et je vous laisse apprécier le combat de boss qui va être plus long que les autres, étant donné que le dragon a quelques millions de PV, on va dire. Voilà, donc sur ce, enjoy!
Okay.
Take it.
Et voilà, donc Dragon Infernal, c'est fait, affaire suivante.
Donc vous avez vu, hein, finalement, avec mon équipe, c'est bien passé, les gambits étaient bien en place, hormis apparemment que guérison ne soigne pas de stop, donc j'ai dû faire intervenir H. J'avais oublié ce détail. Hop, alors on va désactiver les gambits, par contre. Parce que maintenant je vais repartir, alors pas en exploration, mais vu que je serai plus en combat de boss, j'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Et pour les petits curieux, on va quand même ouvrir les coffres, savoir ce qu'il y a. Un éclat de célérité 2. Très bien. Et je crois qu'il y en avait un là. Un éclat de paradoxe. Très bien, très bien. Alors on va vite fait fouiller pour voir s'il y avait autre chose au passage. J'ai pas l'impression. Ah, si. Un éclat de vitalité. Putain, décidément, il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour un boss comme celui-là. Donc voilà, du coup, vous avez pu voir un petit peu l'association des gambits, ce que ça a donné sur le dragon, et notamment vous avez dû voir l'énorme différence du coup grâce à affaiblir. Le boss il tapait à entre 2 et 400, entre 200 et 400 du coup. C'est pour moi c'était inimaginable qu'un truc pareil fonctionne sur un boss. Je veux dire, on parle d'un boss annexe qui a plus de 10 millions de points de vie, qui est un des derniers boss les plus compliqués du jeu normalement, mais le fait qu'il ait un point de faible comme ça, mais ça le rend tellement plus facile à combattre. Pour moi, c'était pas envisageable, clairement. Ça a été une grosse surprise. Enfin bon, donc sur ce dragon infernal, c'est fait. Je vous dis donc à la prochaine pour une vidéo alors qui risque d'être longue. Compliqué à suivre, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux. Je m'attaque à Ultima, c'est-à-dire qu'il faut que je retourne dans le grand cristal pour explorer des zones que vous n'avez pas encore vues. Que moi je suis allé comme ça pour explorer, pour tâter un petit peu le terrain. Ça va être le bordel. Je préfère prévenir d'avance, ça va être le bordel. Je sais pas comment je vais faire pour faire en sorte que la vidéo soit vraiment facile à suivre au clair. Bah, hormis le fait déjà que vous verrez le chemin que je prends au complet, je pense que ce sera le mieux à faire pour trouver Ultima. Mais du coup, ça veut dire que ça va être une vidéo qui risque d'être un petit peu longue. Enfin bon, donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour Ultima et jusque-là, portez-vous bien!